Monsieur Avala. Bonjour et bienvenue sur la ligne du Père Noël. Tu peux parler plus fort, tu sais, je suis un peu sourd à mon âge. Avant toute chose, il faut que tu dises merci à la personne qui t'a permis d'appeler. Bien, j'aimerais savoir comment tu t'appelles. Je m'appelle Louis. Je ne t'entends pas. Je m'appelle Louis. Ah, eh bien, je suis enchanté de te connaître. Moi, je suis le Père Noël. Maintenant, dis-moi, quel est ton âge? J'ai 6 ans. Oh, tu as de la chance d'être aussi jeune. Tu sais, moi, je suis d'un âge qu'on ne dit pas. Je suis bien trop vieux à présent. Et je voudrais savoir, as-tu des petits frères ou des petites sœurs? Une petite sœur, elle a 4 ans. D'accord. Et est-ce que tu vas à l'école? Oui. Allô, je ne t'entends pas. Oui, je vais à l'école. Bien, nous avons déjà fait connaissance, donc j'aimerais que tu me dises à présent ce que tu aimerais avoir comme cadeau de Noël. Dis-moi, je t'écoute. Je n'ai pas été sage. Alors c'est quoi ta Noël que tu as me donné si un enfant en passage? Tu as fini ou est-ce que tu as encore un cadeau à me demander? Non, mais quand ton enfant est passage, on donne quoi comme le canon donne quoi aux enfants? Bien, j'ai tout noté. Alors, maintenant, nous allons faire quelque chose de très rigolo tous les deux. Tu sais pourquoi? Parce que nous allons chanter ensemble. Est-ce que tu es prêt? Allez, répète après moi. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. C'est à moi, mon téléphone. À toi. Il parle, là. Vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, et bonne année, grand-mère. À toi. À toi, Jolie. Bah alors, à 6 ans quand même. Moi, c'est à peine plus. Boule de neige et jour de l'an, bonne année, grand-mère. Tu chantes bien.